On est à l'ouverture officielle de la nouvelle clinique de médecine esthétique Revaderma, située sur le boulevard L'Acadie, non loin du marché central à Montréal. On y retrouve plusieurs soins, soins du corps, soins du visage, ainsi que des soins anti-âge. Quels soins on peut retrouver dans votre clinique? Mais nous, on s'occupe de tous les soins visage, les soins de corps. On a des spécialisations au niveau des injectables, au niveau des rides, au niveau des agents de comblement. On a un excellent médecin qui est Sébastien Labrec, qui a le mandat de pouvoir offrir ce service-là à notre clientèle. Donc ici, c'est la nouvelle clinique Revaderma. On fait l'ouverture officielle aujourd'hui. Donc les traitements qui vont être offerts, ça va être les agents de remplissage, ou qui sont connus plus sur le nom de fillers, ou toxine botulinique, là, qui est connu aussi sous le nom de Botox, qui est le plus connu, mais il y a plusieurs compagnies qui offrent ce produit-là. Bien, la clinique est vraiment intéressante. T'sais, premièrement, si on regarde, c'est tellement beau comme clinique. On est éclairé, c'est dans la clarté. On a des beaux locaux qui sont vraiment intéressants. On est vraiment facile d'accès. On est sur le boulevard L'Acadie. Oui, la médecine esthétique, ça a été tabou pendant longtemps. Puis là, maintenant, il y a vraiment une ouverture où les gens commencent de plus en plus jeunes, puis continuent de plus en plus vieux. On commence à avoir des traitements aussi chez les hommes qui deviennent, c'est moins fréquent, mais c'est quelque chose qui est offert, puis c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, donc de plus en plus accepté aussi. La qualité des technologies qu'on choisit, on essaie de faire des protocoles qui vont englober. On va mélanger les technologies aussi pour maximiser les résultats.